De retour sur Vacarme, je suis avec Bouli et MADC de l'équipe LDLC Blue, donc les heureux finalistes qui ont tombé We Got Game tout à l'heure en début de journée. On va pas forcément revenir sur la phase de poule, même avec une défaite sur Red Instinct au bout de la nuit, on va dire. Un lot aussi de Dans l'Arbre qui vous fait tomber contre Meltier. On t'avait déjà interviewé, Bouli, pour savoir ce que tu pensais de Meltier. T'étais content du tirage, on va dire. Et ce match du coup contre Meltier, comment vous l'avez vécu sur la scène à 9h30 du matin, quoi? Je suis assez bon à ça. Alors en gros, le match contre Meltier, on savait qu'ils allaient piquer leur map D2. On les avait un peu étudiés grâce au match qu'ils ont fait en poule, tout ça. Et malgré ça, on n'a pas réussi à les battre sur D2, même si on pensait vraiment pouvoir les battre dessus. On voulait mettre 2-0 direct. Par contre, les Melty pensaient qu'on allait veto Mirage, comme on a l'habitude de faire à chaque LAN. Sauf que cette fois-ci, on avait travaillé la map. Et voilà ça. Ouais. Et voilà, ça a fait son effet. Ils se sont fait surprendre par ça. Et après, en troisième map, c'était Kubble et sur Kubble on avait vu leur jeu un peu, c'était un jeu un peu de mix, on va dire. Il n'y avait pas vraiment de CPL super travaillé, c'était assez stack, des rushs assez compacts, et nous on s'était bien préparé aux anti-rush, donc on avait pas peur d'eux sur les autres maps, juste sur D2, parce que c'est assez facile de faire des rushs compacts, tout ça, avec des bonnes flashs, des bonnes redirections, des bonnes coupes. Ils avaient tout ça sur D2, mais pas sur Kubble. Et voilà comment on s'en est sorti de ce quart. Voilà. Et après, du coup, ce matin, la demi contre We Got Game, il avait interviewé Tiscale, il m'avait dit que leur principal défaut, bah, c'était qu'ils étaient en mix. Et au final, c'est vrai que ça s'est avéré être un gros défaut, mais non, parce que vous l'avez roulé dessus, hein, je pense qu'on peut le dire, c'était quand même un match à sens unique. Est-ce que vous attendiez un match aussi facile pour vous ou... Bah, pas du tout, parce que par exemple, DH Tour, GR 2015, on a perdu BG News à Osomiac, c'est que des équipes qu'on n'avait jamais jouées. Et des équipes super. Et bah là, c'était exactement le match typique par rapport à celle-là. Donc, on avait, enfin, pas super peur. Donc, on s'est juste super bien préparé. On s'est renseigné par rapport aux maps, ce qu'ils ont veto, des choses comme ça. Et on nous a dit, enfin, toutes les équipes nous ont dit, ils ont un style de jeu super agressif, que ce soit CT ou Tero. Et c'était parfait parce que dans la semaine de bootcamp, on a vraiment travaillé cette chose. C'était notre défaut, on va dire, les équipes agressives. Et voilà, ça a super bien marché. On a déroulé 2 maps à 0 et voilà. Comment vous êtes préparé à cet événement? Alors, on a fait à chaque interview, je pose un peu la question, c'est savoir est-ce que vous avez joué beaucoup de Team FR en majorité, ou vous essayez justement de vous extirper un peu de la communauté française et jouer plus du sub-top européen, voire du top européen, pour éviter de se faire surprendre, quoi? On n'avait pas de problème par rapport aux équipes françaises. On a pas trop, au contraire, parfois on demandait, par exemple sur la chaîne Facebook aux Français, et c'est eux qui nous disaient non. Sinon, ouais, on praquait contre tout le monde, en fait. On n'avait pas trop de... Après, contre les Français, on n'allait sûrement pas jouer les maps qu'on a préparées, pas en cachette, mais. Enfin, voilà. Et on a joué des maps classiques pour voir ce qui va aller. Par exemple, Havane, on les avait jamais joués. Des équipes qu'on n'avait jamais jouées, on a essayé des pracs, et voilà. Sinon, ouais, on a joué plus après dans l'Europe, enfin, de l'Inter, et voilà. Alors avant d'arriver ici, on vous avait vu sur une fin de saison, on va dire, enfin sur une fin de premier semestre 2015 assez difficile, avec les défaites, enfin on va dire la déception à l'EWC français pour Montréal, la non qualification pour la DH Tour, des performances qu'on attendait plus élevées, en tout cas pour vous. Est-ce que vous n'avez pas eu la sensation un peu de stagner au niveau de votre niveau? Est-ce que c'était pas, je sais pas, jusqu'à maintenant en tout cas, une période un peu frustrante où vous n'avez pas eu l'impression de progresser forcément dans les résultats? Et est-ce que du coup, en Prague, vous avez l'impression quand même d'évoluer, d'avoir vraiment une évolution positive dans votre niveau de jeu, ou vous voyez un plus pareil que dans les états, une stagnation, quoi? Alors ouais, effectivement, depuis que ça soit depuis la Gamers Assembly, où on a fait le contre BG News, ou la DH Tour, on s'est fait surprendre par Insomniac aussi.
Depuis, on a fait des résultats assez moyens. On a fait quelques bons matchs aussi. Et c'est vrai que sur Internet, on avait du mal à s'entraîner déjà. On est beaucoup perturbé par d'autres trucs, que ce soit par les copines ou par d'autres jeux ou par les DDoS ou autre chose quoi. Même les matchs officiels sur Internet c'est difficile parce que dès qu'on est en première page sur HL TV ou sur Carme c'est déjà arrivé, on se faisait DDoS quoi. Dès que c'est sur CSGO Lounge, ça a été très difficile à gérer quoi, parce qu'on pouvait carrément rien faire. Hein. Et malgré ça, bon, on a quand même essayé de rester soudés, rester solides, rester tous ensemble, continuer à s'entraîner malgré les difficultés. Et aujourd'hui, je pense que grâce au bootcamp que nous a offert LDLC une semaine avant la PGW, ça a vraiment porté ses fruits. On a vraiment pu s'entraîner comme on devait s'entraîner, map par map, bien taffé. On était tous ensemble, on était déconcentrés par rien d'autre. Et grâce à ça, on est là en finale, quoi, je pense. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on est en finale grâce à ce bootcamp, parce qu'on a vraiment. En fait, on est des mecs qui tryhard, mais. Enfin, sur Internet, c'est vraiment différent. On n'arrive pas à tryhard comme quand on est en bootcamp, ou une semaine avant une LAN, même sur Internet. C'est vraiment différent, et voilà, ça a porté ses fruits, comme il a dit. Et voilà. Alors comme tu l'as dit, LDLC vous avez mis à disposition une salle de bootcamp où il y avait aussi les whites en parallèle. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que vous entraidez? On sait quoi, vous avez par exemple il y a un moment qui passe de coach, qui a coaché une équipe, il y a Lelo qui vous a coaché maintenant qui vous coache vous. Comment ça se passe que vous êtes joué entre vous? On s'est pas joué entre nous depuis très longtemps, mais sinon au bootcamp c'était super bien organisé. On a programmé des heures par rapport à quand on va manger ou des choses comme ça. On était dans deux salles différentes, donc enfin on s'est pas entraîné, on s'est pas joué. On a chacun fait notre entraînement et on se parlait normal. Enfin c'était vraiment bien, mais séparé en fait. C'est comme si on était vraiment à deux endroits différents et on se croisait que quand on allait manger ou on rentrait à l'hôtel ou des choses comme ça. Mais sinon sur ça et vers un autre. Alors pour situer un peu la table, on est à l'entre-deux maps, enfin on va dire la deuxième demi-finale qui est en train de se jouer. Normalement si pas de retournement de situation de fou, vous devriez rencontrer LDLC White en finale. Comment vous allez aborder ce match? Est-ce que je suppose que vous avez pas mal de démo 2, pas mal d'analyses sur leur jeu, je me trompe? Bah, je pense que c'est les seuls où, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. D'ailleurs, on n'a pas trop regardé les démos. C'est la première fois, la première LAN qu'on fait où on s'est focus sur notre jeu, en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de LAN précédentes où on s'est focus sur les autres équipes. Genre, ils jouent comme ça, mais sans trouver la solution. Genre, sans travailler sur notre jeu. Là, c'est la première fois où on regarde aucune équipe. On a travaillé sur notre jeu et on s'est juste renseigné sur les équipes qu'on a joué, en fait, pendant la LAN. C'est tout. Et les White, on s'est pas renseigné. Enfin, ouais, ils ont mis que des sauces en jouant en classique. Donc, il n'y a pas de quoi se renseigner, donc ça va être dur, mais c'est faisable. Peut-être une map, mais je pense que c'est vachement faisable. Je sais pas si t'as un truc à dire. Je pense qu'on peut les taper, mais c'est compliqué. Ouais, on a vu quelques-uns de leurs matchs sur la scène et puis en phase de poule. On a pu aussi voir des matchs underdogs comme ça qu'on a pu voir occasionnellement quoi sur les streams. On connaît à peu près ce qu'ils font, leur jeu. On sait que bon, ils sont bien organisés, ils ont une super bonne défense et en terreau ils ont aussi un très bon jeu. Donc de toute façon pour nous là on est arrivé en finale, ça va être du bonus, on va se lâcher, on va tout faire pour gagner round par round. Mais je pense que la scène c'est un bon atout pour nous. On a envie de chaque round on a envie de se surpasser, on l'a jamais l'affaire et ça c'est un bon atout. La scène, le public, tout ça c'est carrément énorme. Et d'ailleurs je remercie les organisateurs qui ont pu tous les gens qui ont pu rendre ça possible, car c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde hein, de faire une scène comme celle-ci. C'est vrai qu'LDLC White, vous l'avez déjà rencontré en finale, c'était à l'Every Game. D'ailleurs, vous l'avez battu en finale winner.
Bon, la suite a été un peu plus malheureuse pour vous. Mais c'est vrai que c'est une équipe, vous êtes finalement une des rares équipes à les avoir inquiétées cette saison, quoi. Est-ce que vous êtes un peu dans le même état d'esprit qu'à cette LAN précisément? Est-ce que vous vous souvenez un peu de comment vous étiez? Et est-ce que c'est un peu le même état d'esprit, quoi, du coup? C'est le même état d'esprit dans la finale du Winner Bracket, c'est ça. Ouais, voilà. Non, mais ouais, on a retrouvé ce truc, en fait, tu vois. Et enfin, je sais pas c'est quoi ce truc, mais on a retrouvé ce truc. La rage de vaincre, voilà, c'est un peu ça. Mais en fait, quand tu te sens prêt à un event, tu sais que t'as tout... Par exemple, les poules qu'on a fait à cette LAN, on n'a pas assuré. Genre, c'était vraiment un autre jour par rapport à toute la semaine du bootcamp, aux résultats qu'on faisait. Et on s'est dit, vas-y, on oublie cette journée. Le karma a fait qu'on voulait, qu'on devait passer ces poules pour montrer ce qu'on devait faire. Comme à l'ESWCFR, on était presque sûr que si on passait dans l'arbre, on pouvait vraiment faire quelque chose, aller en finale contre les Whites, peut-être même aller au Canada. Mais on a gagné tous les matchs de poules sauf Melty, et au Goal Average, on n'a pas passé. Et là, à cette LAN, on ressent ça. On pense vraiment qu'on pouvait faire quelque chose, et on a fait quelque chose. Et voilà, je sais pas si t'as quelque chose à dire. C'est ça. Non, je pense que c'est tout. Hein. Ah, je pense que c'est tout. Ok. Bon, en tout cas, ça reste, on va dire que l'objectif est rempli. L'objectif vraiment, bon, même si l'objectif c'est toujours gagner, on va dire l'objectif réaliste du top 2 est bien rempli déjà. Donc on va dire que c'est plutôt prometteur. D'autant plus que vous allez les retrouver après en finale Underdogs, qui prouve aussi votre bonne forme du moment, on va dire. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Est-ce que du coup il y a cette finale Underdogs? Est-ce qu'il y a des, vous êtes engagé dans des ligues style Sevo, SEA? Sur internet, j'ai aucune idée de où est-ce qu'on est qualifié ou des choses comme ça. Par rapport au LAN, sur internet, il y a l'Underdogs, comme tu as dit. Il y a peut-être la Cap Arena. Et sur internet, on fait Sevo. Sur internet, on fait Sevo. Et Starladder, mais bon, c'est les matchs amateurs. En gros, on met que des 16-2, 16-1. Ouais, en fait, les Starladder, il y a trois étapes. On passe les poules, ils refont des poules. Enfin, à chaque fois, on les grimpe et jusqu'à qu'on arrive au bon truc, c'est tout. Et sinon, rien de prévu. Ça marche. Je pense qu'on en a fait le tour. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez des remerciements à faire. Je remercie ma famille et qui m'a soutenu pour la première fois à un event. Enfin, ils m'ont toujours soutenu, mais c'est la première fois qu'ils ont réalisé l'ampleur de l'e-sport, je pense. Parce que j'ai envoyé des photos, tout ça, tu vois, c'est à la scène. Je remercie, dédicace au TSO, à tout le monde, toute la communauté FR. Stop les DDoS, les mecs. Et dédicace au Liban aussi. Et voilà, merci aux sponsors. Je te laisse faire la suite des sponsors et à Team LDC. Merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir permis de faire un bootcamp. Et voilà. Et merci pour les Japonais. Ah ouais, pareil, hein. Les mêmes dédicaces que lui, sauf ma copine que j'aime aussi, et ma famille, bien sûr. Merci Asus, Color Master et Crucial.